C'est parti pour une mise à jour, enfin pour la mise à jour de la journée, de ce jour important, l'arrivée de la 1.18 en dernière version sur le launcher. La mise à jour du 60 et quelques mégas s'est faite sans souci. Par contre, la finalisation est toujours en cours et j'ai juste envie de pleurer. Voilà, alors je vais attendre un petit peu, mais si ça dure trop longtemps. Je relance le système après l'avoir nettoyé un petit peu. Non, ça avance, ça avance. J'ai hâte de découvrir ce que l'on va pouvoir trouver et surtout voir comment ma partie en cours va s'adapter à cette version 1.18 Cavencliff avec donc les mises à jour. Que j'ai pu tester en version snapshot, mais qui là maintenant sont des versions réelles et donc une transformation des grottes, des caves. Je n'attends que ça. Surtout que là, je suis sur une partie super intéressante où j'ai quelques grottes sympathiques que j'aimerais bien voir transformées. Voilà, bon, encore un petit peu de patience. La finalisation avance. Malgré tout, patience, patience, patience. C'est long, c'est trop long. J'en ai marre. Je veux jouer sur la version 1.18 maintenant. Donc, ma version sauvegardée, mon promo, j'y joue depuis quelques jours. J'ai bien avancé. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai quelques caves intéressantes pour ce qui est des hauteurs, des cliffs. Il n'y aura peut-être pas grand-chose d'intéressant dans un environnement tout proche. Les pics dentelés qui ont fait leur apparition dans la version 1.18 seront peut-être assez éloignés de mon emplacement, mais j'espère trouver au moins des cavernes luxuriantes et puis peut-être quelques changements au niveau des terrains. Ça charge, c'est parti. Allez, tu m'as déjà fait attendre, charge plus vite.
C'est parti. Oh non, j'ai un bug d'affichage. Vous voyez si ma souris est mal positionnée. Oh, ça va être chiant ça. Allez, je vais faire un tour vite fait. Oh là là, ça va laguer au niveau de l'affichage. Je suis désolé. Oh, il n'y a rien qui s'affiche derrière. Ça y est. Punaise, ça va être compliqué là. Allez, je vous fais juste un petit passage par là-bas parce que j'ai ce qu'il faut. Oh punaise. Non, ça déconne vraiment violent. Donc sur cette partie en mode hardcore, je suis niveau 53, j'ai un petit équipement bien comme il faut, il me reste... Ah bah si, j'ai même remplacé le plastron. Donc pour ça, tout va bien. Ah non, il n'y a rien qui se génère derrière là. Allez, on va voir vite fait la caverne qui est par ici. Oui, c'est ça. Si je dis pas de conneries, c'est par là. C'est peut-être pas le biome le plus extraordinaire pour découvrir les changements. Non, clairement pas. Là, on n'y voit rien. Là non plus. Bon, allez. Donc je vous disais, ben, pas de pic rocheux par ici. Et ce bug d'affichage qui est fatigant. Ben, vas-y, t'avances plus, toi. Tu sais plus nager. Juste envie d'aller vérifier un truc et puis je couperai là pour recharger la partie. Aïe 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 aïe, c'est nul là. C'est d'une lenteur. C'est affligeant. Bah oui, tant qu'à faire. Alors, mon petit village. Mais il avance plus. Il n'y a plus rien qui avance. Il va avoir du mal à charger tout ça. Allons juste voir ici. Et puis... s'arrête là. Non, il y a encore juste là-bas. C'est pas du tout ça. En plus, je vous emmène là où il faut pas. Bravo. Mais c'est pas vrai. C'est par ici. Ah oui, voilà. Pouh. J'en oublie la bonne route. Hop. Voilà. Ce n'est pas du tout luxuriant.
ancienne mine a aucun intérêt. Pas vraiment de changement. Sauf à vérifier que l'on descend au plus bas. Je crois que c'était par ici, oui, c'est ça. Mais non, ça veut pas. Allez, on s'arrête là, et puis je vais poursuivre après avoir bien nettoyé l'ordinateur. Désolé pour ce faux semblant de redémarrage, mais c'était la mise à jour vers la 1.18, la nouvelle version de Minecraft, sur laquelle j'espère qu'on va encore faire de petites vidéos sympathiques et qu'on va vivre de belles aventures. À très bientôt.